Bonjour, ici Tolki pour un nouveau cast de StarCraft 2. Le cast de la journée sera un cast où l'on verra opposer Zigno de la team OGS à ETDG Baker, donc Baker. Je suis allé voir donc son classement, il est 25ème sur le Battle.net coréen. Donc un très très bon joueur Protoss. Donc du PVZ. Et donc Zenyo, très 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 grand joueur. Alors ce n'est pas Nesty ni Zergbong, mais ça reste un Zerg de la team OGS. Donc à partir du moment où c'est un Zerg de la team OGS, c'est sérieux. Donc la team où s'est entraîné Thiello pendant longtemps. Donc la map est Jungle Basin, je vais la présenter rapidement. Donc Jungle Basin, je me rappelle plus si j'ai la présenté, mais en tout cas c'est une map où il y a une naturelle quasiment gratos. Où donc en gros on peut expandre derrière, qui est quand même très facilement attaquable par des rochers qu'on peut tuer sans trop de difficulté parce qu'il y a une belle surface d'attaque dessus. C'est donc pour la map, on n'a pas beaucoup de place pour faire des grands engagements. Il y a deux petits couloirs au centre. Si au milieu il n'y avait pas ce trou, ce serait sûrement une de mes maps préférées. Mais le fait est qu'il y a ces trous, donc par exemple le centre est très très simple à contrôler pour un Terran. Et quand on est Zerg, on doit surtout passer par les chemins à côté. On peut pas vraiment tenter de passer par le centre de toute façon. Donc c'est une map qui à mes yeux est assez équilibrée et qui favorise pas forcément les fast expand hein, parce que une fast expand en général c'est un peu grillé, l'adversaire s'y attend et donc il y a des chances que l'adversaire counter. On voit donc de la part de Zigno une 13 pool sans gaz. Donc ça va peut-être être 13 pool 15 hatch ou quelque chose comme ça. En face donc de la part de Baker, une gateway, un gaz après. Donc pour l'instant c'est très très classique, il va lancer sa robot incessamment sous peu. Et une fois que son cybernetic core normalement avec le damage habituel, juste après la fin de la gate. Et de l'autre côté, donc c'était bien un 13 pool, 15 hatch. Donc faire sa pool assez tôt, ça permet de commencer sa queen tôt. J'allais dire ça permet de commencer sa queen tôt, donc pour bien rattraper la macro. Mais non, ce n'est pas le cas, il a décidé donc de faire 4 zergling. Avec ses 4 zergling, il va sûrement tenter de mettre gentiment la pression à son adversaire. Il est super block actuellement, petit extracteur trick pour que la queen puisse se lancer. Voilà, le kill de la probe. Baker donc qui ne voit pas trop son adversaire, ça peut aussi être du 2 hatch mass zergling, mais à ce moment-là, okay, on tente de faire des speedlings. Et en face, donc du côté de Baker, on voit une fast expand et pas de cybernetic core. Donc pour l'instant, ça va être du zilot pour se défendre. Donc Zigno, donc j'ai pas forcément regardé, mais Zigno a dû scouter cela. C'est sûrement pour ça qu'il a décidé de faire autant de zergling ou pas. C'était juste pour contrôler les watchtowers. On voit donc la queen qui a enfin commencé, le gaz qui est pris très très tard par Zigno. Donc voilà une queen de Zigno. Et donc Zigno qui vient un peu voir avec le Zergling ce qui se passe, qui aimerait passer, mais là entre le corps et le pylône, ça va être dur pour un Zergling de passer. On voit donc les deux joueurs qui font une fast expand et la partie qui se rend donc vers, on va dire, au moins le mid game à cause de la à cause du jeu sur de base. Ce sera pas un Stargate, c'est sûr, ce sera pas un rush double Stargate non plus. Ça va être du joli de base contre de base, donc avec pas mal de possibilités. Alors faut savoir que les Protoss contre Zerg, c'est moins pire que contre Terran. Les Protoss peuvent se permettre de faire autre chose que la tech robot contre Zerg, car ils n'ont pas besoin de la détection de façon aussi vitale que contre un Terran qui fait des Cloak Banshee par exemple. Donc contre Zerg, les Protoss peuvent tenter par exemple de jouer pas mal sur les Stargate, les Void Ray, qui sont très très puissantes tant que les Mutalisques ne sont pas sortis. Et les carrières après qui peuvent aussi être une très très grosse nuisance pour l'adversaire. Et les phoenix, n'oublions pas, qui sont quand même un bon counter aux mutalisques, même s'ils sont quand même assez bien gérés par les corrupteurs. Donc pour l'instant il y a gentiment Baker qui vient essayer de mettre la pression avec ses zilotes. Et on voit qu'en face il y a eu donc la speed qui a été commencée. Et là beaucoup de zerglings sont produits de la part de Zigno. Zigno peut-être qui overreact un peu en voyant ses zilotes qui s'attendent de la pression, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si Zigno a pu scouter s'il a scouté l'expand adverse grâce à son overlord. Bon placement de la part de Zigno. Zigno donc qui n'a toujours pas commencé à prendre son deuxième gaz et qui tech l'air. Donc là s'il ne prend pas son deuxième gaz tout de suite, il ne pourra pas faire les mutas directement à la sortie du l'air. Il pourra cependant faire des hydralisques, mais même pour des hydralisques il faut au moins 2-3 gaz. Il faut au moins normalement les hydralisques ça vous prend toute une base de production, c'est à dire tous les minerais, tout le gaz
et une queen, et vous pouvez produire des hydralisques en continu. Donc si vous considérez le sous-système là, qui est cette base là, ça peut produire des hydralisques en continu. Et donc on voit qu'en face, le joueur Protoss recherche hallucination. Donc hallucination, c'est bien parce que ça se recherche au cybernetic core. Donc c'est pas, ça vous implique, ça n'implique rien de votre part au niveau tech tree. Après, ça vous permet de scouter très très gratuitement et même d'absorber quelques dégâts. Par exemple lors d'un affrontement. On voit donc que Zinio tente de détruire les rochers, mais comme j'ai dit encore une fois, les Zergling, c'est complètement pourri pour tous les rochers, ça fait 2 dégâts, vu que les rochers destructibles ont 3 d'armure et les Zergling ne font que 5 par attaque. Donc c'est très moyen les Zergs pour tuer les rochers en début de partie. C'est assez embêtant, en même temps ça permet que les Zergs ne soient pas trop craqués. On peut pas facilement passer par derrière, mais quand on voit un terrain par exemple, dès qu'il sort des maraudeurs, les rochers tombent en quelques secondes. On n'a pas ça chez les Zergs. Le Zerg donc, Zinio qui est en train de transitionner Roach avec Speed. Donc ça va être du Speed Roach. Il serait très agressif à un jeu target de la part de son adversaire, mais il a vu donc l'hallucination, donc il sait que les Rogates sont finis. Il se doute bien. Bon, il pense, je pense, que ce n'est pas l'amélioration d'attaque aérienne. Donc le Zerg a dû spotter tout cela. Et c'est pour ça qu'il joue Roach. Les Roach qui sont donc... C'est pas du tout un counter aux unités Gateway. Enfin, c'est un peu un counter aux Zealots. Et bon, les Sentry de toute façon c'est des Spellcasters. Mais les Stalkers s'en sortent très bien contre les Roach. Cependant, en nombre égaux, Roach et Stalker se valent. Donc c'est... Les Roach, en fait, c'est comme toutes les unités tier 1, tier 1.5, elles se valent à peu près, même si les unités tier 1, tier 1.5 des Protoss sont quand même les moins puissantes du jeu. Dans l'ensemble, hein, même si Forgate... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dire, hein, le Forgate, c'est très très puissant, il y a quand même des limites à la saleté. Et donc, on voit que le joueur Protoss a transitionné sur un 6 gate pour l'instant, il en est à 6 gateway, ce qu'il va pouvoir produire en continu, il va pouvoir faire beaucoup 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 d'unités, et donc il est en train de faire un photon cannon derrière pour se protéger, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bust-in, et il a fait un toilet council que je n'ai pas vu, sur lequel il recharge Blink, et donc le Zerg Zinio tente de passer à l'attaque, mais les force fields sont complètement in-bas, et les force fields bloquent les routes, qui vont tout même pouvoir sniper ce pylône qui est en train d'alimenter cette gateway et ce cybernetic door. Cependant, le Zerg ne peut rien faire et sa meilleure chance est de passer par derrière, ce qu'il est en train d'essayer de faire grâce à ses routes. Donc, ce canon aussi sert à avoir la détection, car il se doute bien que les roaches à un moment vont avoir de rouille, en train de faire tenir une close, et donc il a déjà recherché des roaches. Les roaches est de toute façon toujours utile quand on a des roaches, parce que ça leur permet de se régénérer très vite. Et Zinio, donc là, qui a, je pense, pas le nombre suffisant de roaches pour casser l'avant de la base de son adversaire, d'autant plus que son adversaire a des sentries, donc là ça va être très embêtant. Une roach ici qui est bureau, donc ça c'est très très utile si vous ne connaissez pas. Quand on est Zerg, comme une roach en haut de la rampe, comme ça on a la vision tout le temps jusqu'à ce que votre adversaire fasse un observeur et qu'il ait la première de pied. Donc là, petit dismaque pour Zinio, Zinio donc qui a oublié le move attaque, move attaque, et Zinio qui se bureau, donc qui est en train de regagner sa vie à une très très grande vitesse. Il n'a pas encore tenu une close, il ne peut pas bouger, mais il regagne quasiment toute sa vie. Sa roche se fait sniper et la robot est seulement pensée pour Baker. Cependant, Baker a trouvé Blink. Il l'a trouvé, il l'a recherché, hein, mais pour quand on recherche, à la fin on trouve, donc on va dire qu'il a trouvé Blink et donc il est en train de pousser avec pas mal de Blink Stalker. Les Blink Stalker qui sont personnellement, vous doutez, vous savez que je joue Zerg, mon plus gros souci en ZVP. Les Blink Stalker, c'est vraiment très 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 désagréable à bien gérer. Parce que même si on arrive, enfin déjà si je joue bien, vous avez jamais vraiment les entourer avec des Zerglings. Et en plus, il y a le Blink, donc s'il fait une bonne micro, vous savez, il prend le groupe comme ça, et dès qu'il voit un Stalker qui n'a plus de vie, il clique, il fait Blink, et il re-regarde, et il reprend les Stalkers qui n'ont plus de vie, ainsi de suite, donc c'est très gênant. Cependant, Zinio donc, a Tunneling Close, et Zinio va tenter de prendre une bonne position. Là, c'était pas du tout le cas, il était à la queue le nœud, donc c'est la pire position possible pour un Zerg. Et on voit que de l'autre côté, il y a une transition vers Colosse, donc le Colosse qui est toujours une valeur sûre, ça fait partie des unités craquées du jeu. Donc des très très bonnes unités, le Colosse qui est donc une unité Protoss très très polyvalente qui fait donc d'ailleurs que les Protoss sont très rarement d'immortal au final. Et on voit donc les upgrades qui vont bon train pour le Protoss qui va bientôt passer à deux upgrades d'attaque,
sachant que de l'autre côté, les Roach en sont à seulement une upgrade d'attaque et 0 upgrade d'avance. Leur deuxième upgrade d'attaque arrive aussi. Les Stalkers qui sont en train ici de se mettre sur la rampe et qui arrivent à monter à cause de l'absence de Roach de l'autre côté, mais les Stalkers qui préfèrent backer pour ne pas se faire entourer par les Roach de Zigno. Et là, un match qui est très très serré. Donc Zigno qui est en train de faire des Infestors, les Infestors qui sont très très utiles contre les Blinkstalkers pour les empêcher de bouger et les affaiblir.